Bon week-end tout le monde, nous comptons avec la caillou pour dernier sortie téléjournal là pour semaine là, mais quelques points pour le développer. Président République là, Jovenel Moïse inauguré vendredi 31 août là, un centre formation professionnelle moderne dans localité Mormont dans commune Inch. L'école professionnelle ça a une capacité pour recevoir 3000 étudiants. De l'autre côté, chef l'État Jovenel Moïse promet toute disposition à prendre dans niveau l'État pour accompagner parents yo dans occasion rentrer l'école là. Les rappeler cadre GFOR l'État fait. Et puis la police nationale d'Haïti fait 16 arrestations, 4 véhicules avec 16 kg cocaïne confisqués et puis 3 armes saisies pour mois août là. Individu la police arrêté au gain accusation viol, vol d'armes et puis trafic de drogue qui a pesé sous dol. C'est pour ça avec un pilote qui pourrait parler dans journal à soya, mais n'a propose la très lentement. Notre fois, on a salué tout le monde qui branche la télévision dans le SA, mais journal là en détail. Président de la République là, Jovenel Moïse, dans un message pour occasion rentrer l'école là, fait qu'on est l'État fait tout ça qui est nécessaire pour joindre moyen pour accompagner les parents, yo. Yon façon pour yon acheter fournitures scolaires pour voir petit peu l'école. Chef l'État fait qu'on est gain plus passé 2 350 000 livres qui n'ont programme subvention, hein. L'État paye 70% en prio. Et puis, il y a environ 1 830 000 livres l'État pour le bail gratis. Président Jovenel Moïse promet l'État travail pour améliorer les conditions enseignants pendant le souhaiter bonne collaboration dans le temps tout acteur dans le système éducatif là pour réussite année académique. Là. Nous-mêmes dans l'État, pendant même que l'élève était à l'école, année passée, pendant que les gens ont un examen officiel, le ministère de l'Éducation nationale a préparé l'année d'école 2018-2019. Là. Bon côté PAM, président pays, je demande au gouvernement pour ne pas négliger rien. Pour toute institution, fait tout ça qui fait tout ça qui est possible avec moyen de gagner pour aider maman et papa petit à voyer les gens à l'école. Nous connaissons une période là difficile en pile pour maman et papa petit. Besoin en pile, mais moyen yo petit en pile. Malgré ça, l'État fait en pile d'efforts pour joindre beau gens moyen pour aider maman et papa petit joindre uniforme, kit scolaire et pour yo ka acheter livre pour tout monde l'école. Il y a plus passé 2 millions 350 000 livres qui n'ont programme subvention. Ça veut dire que l'État a payé 70% pour presque 500 000 livres. Pour tout le monde qui a pu bien comprendre, si un livre coûte 100 goudes, maman et papa petit a payé 30 goudes seulement. Mais tout, il y a plus passé 1 830 000 livres que l'État a bail élève gratis tiché. Maman et papa petit pas payé même une goud pour 1 830 000 livres ça yo. Mais m'a demandé ti moun yo pour yo protéger livre ça yo tant kou ou ti jouet yo remen en pile pour l'autre ti moun ka jwenn livre ça yo pour yo aller l'école dans l'autre année k'ap vini. En plus de ça, à 6e année fondamentale, chan constitution mandel k'ap bénéficier des programmes ça. Parent ti moun dans l'école nationale ça yo pas gagner yon goutte pour yon pays. Il y a un pile l'autre décision nous prenons pour aider les parents. Malgré ça, nous connaissons un pile l'autre parent qui est dans une situation économique difficile. Mais les petites nous l'école, c'est une plus grosse responsabilité que nous gagnons. C'est un travail collectif qui implique tout citoyen, quel que soit le moyen que vous gagnez, pour tout petit monde qui a l'école. Pendant toute année d'école là, le gouvernement a continué travail pour accompagner les parents, élèves et professeurs. Nous avons une pensée spéciale pour les enseignants. L'État a fait un peu d'effort pour améliorer les conditions de travail. Nous connaissons un peu de nous faire gros sacrifices pour nous bâtir les connaissances que nous avons besoin
pour être capable de venir des bons citoyens responsables qui ont contribué à développement pays d'Haïti. Et ça a permis yo capable de travailler dans une société inclusive pour couper la misère. C'est ça que fait nous-mêmes qui dans l'État, nous travaillons pour nous offrir tout Haïtien une éducation qui est plus bon, qui peut répondre à progrès qu'a fait sur la tête. C'est ça que fait, nous construit plus bon l'école nationale, plus bon lycée. C'est ça que fait, nous travaillons pour nous renforcer l'université. Nous voulons parler de l'université publique, c'est pour l'université privée. Nous tous connaissons, nous tous conscients que le pays n'a pas de changement. Nous tous voulons, si nous pas améliorer l'éducation dans tout niveau. Nous voulons parler de qualité à quantité d'éducation. Je répète, l'éducation à tout niveau, c'est affaire tout le monde. C'est pas affaire l'État seulement, c'est affaire société civile, secteur privé, secteur religieux. Tout le monde à la ronde badè doit mettre main pour tout le monde à l'école, pour l'éducation, qui bon, qui adapté à besoin de société. Vendredi 31 août, le président Jovenel Moïse inauguré un centre de formation professionnelle moderne dans la localité Momon, dans la commune Inch. L'école professionnelle ça a bien capacité pour recevoir 3000 étudiants. C'est un financement Banque Interaméricaine Développement BID pour une valeur 5 millions de dollars. Chef l'État a expliqué, mise en place l'école professionnelle ça a visé permettre secteur éducatif la jouer rôle dans la société. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay pour yon. Et puis exploitation et traitement de l'eau. Centre professionnel ça, c'est un instrument nous gagnons main nous pour nous travailler, pour nous changer condition la vie nous et permettre Hinch qu'a gagner l'autre figure, yon l'autre destin, yon l'autre image. Avenir nous, c'est dans main nous lié désormais. Moun pa ka décider pour nous qui ça pour nous faire. C'est nous-mêmes qui pour choisir dans quelle direction nous voulons. Pas une société spontanée, sous besoin société plus bon dans 25 ans, c'est qu'on y a pour nous commencer. L'école professionnelle, ça, qui a reçu 3000 de monde, c'est pas nous qui allons bénéficier de lui. C'est la génération qui va venir, qui va bénéficier de bien-être, ça. L'école que nous construisons pour nous quitter pour nous. L'école professionnelle côté, encore nous avons dit dans nos oreilles, directrice, pour me dire. Que première dame nous, maman nous, a toujours marché avec nous. Non seulement pour ouvrir l'école là, mais tout pour toute année l'école là. Quitte ça, on a la donne, plume, cahier, crayon couleur avec instrument géométrie. Bénéficiaire, c'est élève première pour arriver 6e année fondamentale. Finaliste à la valise que madame présidente a baillé. Il faut que je avec maman petite. Je vous remercie. Je vous remercie, madame présidente, mon valise. À quoi vous avez avec vous? Je vous remercie de nous faire la valise dans l'issue de Pétionville. Je vous remercie de nous faire la valise dans l'issue de Pétionville. Je vous remercie pour tout ça. Pour ça, le fait moi. Et madame, vous avez fait pour l'autre signe, tout est capable de l'école. Distribution kit scolaire ça visé aider pas besoin pour entrer l'école là lundi 3 septembre qui vini là. C'est environ 3000 petits monde qui sorti dans divers quartiers dans Pétionville et puis différents écoles qui bénéficient distribution ça. N'a pas poursuivre avec Office national assurance vieillesse ONA qui dans tête collé avec ministère affaires sociales et travail et puis ministère conditions femmes et droits femmes qui remettent vendredi 31 août la chèque à produits alimentaires by Timachon qui était victime du feu marché Hippolyte à Duport. Directeur général ONA Chesnel Pierre expliquer activité à réaliser dans objectif pour permettre Machon yo reprendre business yo et puis joindre moyen pour voyer moun l'école na occasion ouverture année académique 2018-2019 là. Nous proposons yon extrait dans micro Louis-Nel Jean-Louis ak Loro Darly Jean-Jacques. Cérémonie ça organisée aujourd'hui à l'approche de ouverture année scolaire là. Nous connaissons une situation difficile. Mais gouvernement dans toute sphère, dans tout niveau que gouvernement y est, eh bien, tout le monde mettait au travail pour être capable d'aider les parents dans la façon que ils sont capables. C'est ainsi que la cérémonie aujourd'hui a deux volets.
Premier volet, hein, c'est en distribution de chèques à 364 bénéficiaires de dernier incendie. Et deuxième volet, hein, c'est en distribution de produits alimentaires. Non dit produits alimentaires, non pas dit kit alimentaire, parce que chaque monde qui l'a a bien bouchoté à un sac de riz, un sac de pois, etc. Si ça n'a besoin non, pour nous manger la victime, non, si comme ça, chaque monde a recevoir 20 000 gouttes de, comme assistance ou comme allocation à ONA, ça permet de faire une petite relance économique pour business qui est boulé, que Jean, maître de cérémonie à des îles, mais criminel, yo, ministre des Affaires sociales et travail démissionné Stéphanie Auguste félicité président République là Jovenel Moïse li dit qu'il pas suspend accompagner ti machin yo ministre l'a invité bénéficiaire yo bien utiliser aide ça bon côté parle ministre conditions femmes et droits femmes démissionnaire Eunide Innocent promette ministère l'a dirigé à continuer travail à Office national assurance vieillesse à travers ONA femmes pour faciliter Machan victime incendie marché Hippolyte à Duport joine prêt pour reprendre business yo. Yon après l'autre ministre affaires sociales et travail démissionnaire Stéphanie Auguste ak ministre conditions femmes ak droits femmes démissionnaire Eunide Innocent nan micro Louinel Jean-Louis ak Laura Darly Jean-Jacques. Jodi a nous gen honneur pour nous ka servi 364 monde qui était victime. Nous gain avec l'ONA nous pas recevoir un chèque de 20 000 gouttes et par rapport à caisse d'assistance sociale, ministère affaires sociales déployé un fonds pour les cabay chaque monde un sac de riz 50 kg, un sac pois 25 kg, un caisse spaghetti, un gallon d'huile saumon, même gens nous t'ai fait la première fois pour premier cohorte marchand là qui t'ai gain 200 marchand. Nous t'ai fait la deuxième fois, nous t'ai gagné plus de 900 machines. Et là, première, nous t'ai pris le temps pour nous t'ai qu'à rassembler toutes possibilités, toutes moyens pour nous qu'à servir dernier cohorte que nous t'ai gagné qui était 364 machines. Pour activité ça, nous t'ai qu'à réaliser, nous t'ai gagné appui machines qui t'ai banon des listes de monde victimes. Ministère des Affaires sociales Paris pour accompagner nous, pour nous légaliser le commerce, nous, pour nos victimes, pour de façon légale, pour être capable de dédommager nous. Nous t'ai dit que promesse, président TFA, nous voulons que c'était une vraie victime, yo, en fait, qui joigne et ça que nous te promettons. C'est ça que fait, c'est bien d'abord deux grandes distributions que nous t'ai fait. Nous entendons poursuivre, accompagner machin yo, côté que nous demandons pour qu'on puisse réunir en association et que on a, à travers ONA Femmes, yo pour qu'on joigne des prêts pour qu'on capable continuer business yo. Dans l'occasion 54e conférence lundi la presse ministère communication recevoir lundi 27 août 2018 là ministre éducation nationale la formation professionnelle Pierre Josué Agénor Cadet c'était occasion pour ministre éducation nationale la formation professionnelle là parler sur un ensemble mesures au prendre ministère dans l'occasion rentrer l'école là qui fixé pour date 3 septembre qui venir là dans cadre décision qui sous plan gouvernement ministre Pierre Josué Agénor Cadet expliqué gain plus passé 5000 enseignants qui déjà joignent lettre nomination yo et un pilote qui t'ai gain lettre qui peut co toucher commencer toucher nous extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Laure Darly Jean-Jacques en termes de gouvernance pour aller ça avec entre l'école là Jean nous connaît nous t'ai hérité de un lourd fardeau. Ma question, professeur d'école, enseignant qui t'est trouvé en situation irrégulière dans le système, là, les noms t'est monté. L'aime fait compter le ministère. Tout chiffre t'est fait connaître, il y a environ 4000 enseignants qui t'est pas de l'air en main. Pourtant, je dis,
nous déjà distribué plus passé 5000 lettres enseignants qui fait nommer et grand pile dans yo qui commençait recevoir salaire yo, même si nous te dit que 2700 qui était des lettres depuis 10 ans qui pas jamais touché. Et bien là nous venons faire gros calcul, yo vinn plus que 3000 et jodi a plus de 95% d'eux déjà touché. Et tout reste pour toucher à, c'est ça nous va dire une lecture pour te faire avis financier et grand pile qui déjà en traitement ou en finalisation dans le ministère des Finances. Non seulement on a parlé de enseignants qui étaient en situation irrégulière dans la classe, mais gagnent tout en pile contractuel qui te gagne dans l'État. Et depuis 4 mois là, c'est ça n'a fait. Côté la nommé en pile monde qui dégage contrat dans le pour qu'il puisse bénéficier de tout avantage l'État capable de faire. Et jodi a continué avec traitement ça, tout ça qui est bon en qualification pour qu'il capable de nommer. Toujours en termes de gouvernance du système, nous prenons des mesures pour entrer à l'école l'année ça, tant qu'on souffre scolaire, côté nous demander tout directeur lycée sous peine de sanctions extrêmement graves pour ne pas prendre plus passer 1000 gouttes dans le métier pour toute année. Et dans 1000 gouttes, ça, tout d'agré la donne. 1000 gouttes d'agré la donne, ça connaît les dépliants, ça connaît les cadres d'étudiants, etc. Et il y a pour être capable de faire nettoyage en dans le lycée, dans l'agence. Allée. Nous prenons l'autre décision toujours pour nous dire nous pas d'accord avec la question qui est sous-traitance. Parce que je dis à tout, pendant que nous avons traité cas, nous avons pile cas, enseignants qui sont dans la salle de classe en situation régulière, et pourtant c'est enseignants qui sont pour l'autre maître qui parle là, qui est chaque qui a sorti. Donc c'est ça que je dis là, nous mettons fin à la situation ça, qui c'est question sous-traitance. Bon, question tout qui mette nous dans ça, là, c'est question côté autorité qui est dans l'État, autorité politique, inspecteur, directeur départemental, directeur de l'école, qu'on prend plaisir, non mais mon. Je dis à nous voyons en gros. Et Pingabayo nous dit seul l'État qui est autorité nominative. Et c'est seul Premier ministre qui est capable de nommer, ou bien ministre de l'Éducation lui-même, s'il y a une délégation au Premier ministre, ou bien capable de nommer avec approbation au Premier ministre. Donc toute décision en autorité qui est capable de prendre, qui n'est pas autorité nominative, est nulle et non avenue. Et dans la semaine ça même, nous avons un gros lettre de blâme, nous devons avoir un directeur départemental qui lui-même peut oser nommer un directeur de l'école dans le troisième cycle qui va même exister encore, qu'on a assez l'école fondamentale complète avec lycée. Nous prenons l'autre mesure toujours et concernant les questions de la gouvernance, et bien côté nous demander, et nous prenons la combat de corruption avec l'argent particulier sans pas de monde qui a travaillé pour nous, nous mettons tout campé dans le ministère, plusieurs équipes de supervision. L'aide qu'on ouvre là, qui peut aller marcher dans tout lycée, dans toute école fondamentale, l'école d'État, pour aller contrôler la présence professeurs. Plusieurs responsables de l'école nationale dans la région métropolitaine, Port-au-Prince-là, disent paré pour rentrer l'école là, 3 septembre, qui vient là. Responsable, ça a demandé tous les parents, voyez Timounio l'école depuis le 1er juin, une façon pour être capable de suivre le programme calendrier scolaire ministère Abaye pour l'année académique 2018-2019 là. Falande Delphin, Hervé Pierre. L'École nationale République Brésil avec l'École nationale République Argentine déjà paré pour recevoir élèves lundi qui a venu là. Ouverture officielle année scolaire a déroulé dans l'École nationale République Brésil dans rue Capoua Port-au-Prince. L'école ça qui bénéficie un bâtiment tout neuf depuis mois janvier passé a recevoir environ 700 timons sorti 7e pour 9e année fondamentale dans deux vacations d'après directrice là la Montagne Mirlène qui profite et remercie le ministère de l'Éducation nationale qui accompagne pour ouvrir l'école là. Depuis quelques temps, nous sommes dans une situation qui est vraiment difficile, mais qu'on y a, nous a dit que qu'il y a un espace qui est assez aéré, tout le monde a bien chita depuis janvier dans l'espace là. Donc c'est toujours avec le même sentiment ça que en pile retouche qui est en fin de fête, nous a dit que nous parions pour nous recevoir Timounio le 3, parce que nous avons vraiment gagné une grande difficulté. L'École nationale République Argentine, qui vient pour recevoir bon côté par 800 Timounio, sur le 1er pour 6e année fondamentale, déjà gagné travers l'assainissement qu'a fait dans la cour l'école ça. D'après le directeur de l'École nationale République Argentine, Dani Léveillé, travail ça après poursuivre pendant tout le week-end là. Yon façon pour permettre Timounio joindre bon espace pour apprendre pendant l'année académique là.
nous commençons à faire assainissement, c'est-à-dire faire nettoyage. Et pendant le week-end, côté mérité, on petit couche peinture, n'a fait. Et on a nettoyé les devants. Si on a regardé bien, on a fait nettoyage devant. On a nettoyé en partie pour samedi, vendredi, samedi. On a passé, on a fait un petit couche peinture parce que, et au grand petit comme, nous dit à bail et que hier, nous étions en réunion avec le directeur départemental là, il dit que l'État fait toute possibilité pour, si y a un temps bail, une première tranche, avant semaine qu'à venir. En soit mercredi, la semaine qu'à venir. Donc, et nous pas qu'à faire gros bagaille. Mais on a fait en façon pour nous recevoir Timounio, en tant qu'Abvigno, pour nous mettre l'école en belle, parce que, quel que soit côté, depuis les patriotes, bon, pas de bagaille. Respecter le calendrier scolaire, c'est un principal objectif, directeur de l'école nationale. Merci, Falande Delphin, à Kervé Pierre. On a pris une deuxième pause dans le téléjournal là, on a tourné dans un petit moment. Seize arrestations, quatre véhicules avec 16 kg cocaïne confisqués et puis armes saisies. C'est bilan opération agent police nationale d'Haïti réalisé pour mois août là. Moun la police arrêté yo gen accusation viol, vol d'exam et puis trafic drogue qui pesait sous de yo d'après porte-parole institution policière Michel-Ange Louis Jeune. Pendant série opération sa yo, agent PNH yo rive écrasé yon réseau gang qui spécialisé dans voler machine, côté yo rive saisi matériel tant kou zam, machine ak yon quantité plaque machine. Yon extrait nan micro Isaïe Aurelius ak Wilson Idori. 9,5 kg marijuana et 16,7 kg de cocaïne. Yo saisi 3 armes à feu. Ils ont confisqué 4 véhicules, dont 3 motocyclettes, et 33 327 dollars US et 232 455 gourdes. Et ils ont arrêté 16 personnes, dont 4 filles, et dans le cadre d'opération, et sur mandat international, qui a eu un monde qui a été arrêté et qui a transféré aux États-Unis. Dans la nuit, 21 août, pendant une opération que Direction Centrale Police Judiciaire a menée dans Vivi Michel, eh bien, il était arrivé confisquer 2 véhicules. Dans le véhicule, ça a été joué une arme. Et, gagné un policier, Evnou Mesidor, qui a arrêté dans 4 dossiers. Evnou Mesidor, c'est un policier 14e promotion, mais qui est révoqué dans la police là pour mauvaise affaire depuis en janvier 2018. Tout récemment, les rivières révoquées. Comment gang ça lui-même lui opéré? Et il y a plusieurs plaques véhicules. Alors, policier lui-même, il n'est pas seul monde qui était dans l'action ça, il y a plusieurs autres monde avec que jusqu'à présent la police a cherché. Et comment gang ça a opéré? Il y a plusieurs plaques. Il a opéré dans la frontière haïtiano-dominicaine. L'air a sorti en Dominicanie, ou bien il a rentré. Ils ont utilisé une plaque diplomatique. Plaque diplomatique là parce que ils connaissent pertinemment, donc pas un policier qui a parlé de yo pour fouiller yo pour poser aucune question. Ils ont utilisé plaque diplomatique. Si après sorti en Dominicaine avec une machine yo volé, il a vint Haïti avec elle, ils ont utilisé plaque diplomatique. Les ont fait traverser frontière, ils ont utilisé plaque service de l'État. Ils ont utilisé plaque service de l'État. Ils ont mis JOFA. Son façon que pour qu'ils passent inaperçu. Et c'est gang ça que BLVV, Rivé, commence à arrêter Moun Ladan et au fur et à mesure qu'ils arrivent démantelés.
Ce dossier bandit, cap opéré dans Matissan, porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune, annoncé recommandement institution policière a déjà pris mesure pour mettre la peine en zone là. Il rappelait depuis jeudi 30 août là, policiers qui cantonnaient dans sous-commissariat Matissan, t'ai déjà fait intervention mais il pas arrivé pour tes réponses. Commissaire Louis Jeune a ajouté gain disposition cap prend pour renforcer effectif qui concerné dans intervention ça. Depuis hier, une situation de tension dans la zone Matissan. Côté des bandits, a tiré sur la police. D'accord? Mais dans ce moment-là, on m'a parlé là, il y a des dispositions qu'on prend pour gagner des travaux qui fait pour nous arriver à une amélioration de situation. Et pour nous joindre un dénouement à la crise, et qu'actuellement, là, que le commandement de la police là, a pas instruction pour gagner des dispositions qu'on prend pour nous joindre en solution à la situation Matissan. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier. Et c'est depuis hier. Si a tiré sous policier, c'est parce qu'il y a un policier qui a tiré sous policier. Qu'on a demandé, est-ce que le nombre de policiers qui Matissan est suffisant pour le répondre à la situation de Matissan? Actuellement, là, moins de jours, que le commandement de la police là, a pris des dispositions pour répondre à la situation qui est Matissan qu'on y a là. Projet appui à engagement développement entrepreneuriat, c'est un projet qui lancé vendredi 31 août là dans Port-au-Prince dans intention divers jeunes qui vivent dans Carrefour Feuille à Bel-Air. C'est organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture UNESCO en collaboration avec mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti MINUJUST et puis protection citoyen qui lancé projet ça. Jeunes bénéficiaires programme ça bien pour recevoir voie formation cap aider yo monter projet entreprise yo nan quartier y a vive là. Yon reportage. C'est en total yon centaine jeunes qui sorti nan quartier Carrefour Feuille Bel-Air qui bénéficié pendant 6 mois formation dans domaine entrepreneuriat nan quatre programme ça d'après responsable communication UNESCO pour Haïti a Jeffrey Clark Clochard. Son programme qui gagne 3 volets. Pour bagarre là c'est orientation orienter jeunes à l'entrepreneuriat parce que grand pile jeunes qui pas comprendre que faut que carré business pour gérer tête parce que pas une possibilité pour yo joindre un emploi. Deuxième bagarre là c'est former yo pour apprendre comment pour faire business et bagarre comme ça. Et puis dernier bagarre là c'est accompagner yo jusqu'à ce que yo ka un plan d'affaires. Et puis plan d'affaires ça que nous va travailler avec un partenaire qui gagne orienter yo et puis accompagner jusqu'à ce que vraiment ba un plan d'affaires solide et nous va un jury qui va dire bon plan d'affaires ça c'est lui qui est meilleur et nous va commencer garder dans qui mesure nous va mobiliser ressources pour financer entreprise. Coordonnateur programme appui entrepreneuriat jeunesse là Ricardin Saint-Jean et protecteur citoyen maître Renan Edouville salue initiative ça yo estimé qu'à faciliter jeunes ça yo développer capacité yo dans monter entreprise yo. Au sein du ministère du commerce nous un programme qui a fait promotion entrepreneuriat jeunesse. On a le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Son programme sous proposition Commission nationale pour innovation et insertion professionnelle jeune. En commission que le président a mis sous place par arrêté présidentiel du 21 juillet, tu as fait promotion, tu as demandé à ce que l'entrepreneuriat jeunesse serve comme un axe qui pourrait inciter les jeunes à l'insertion. Ça veut dire que un programme que l'UNESCO a fait pour insérer les jeunes, nous sommes membres de la commission présidentielle là, qui a fait promotion à travers le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse qui est dans le ministère du commerce. Je pense que c'est le plus important pour nous de la journée. En tant qu'institution nationale de protection de promotion des droits humains, nous sommes présents parce que nous estimons que c'est une très bonne initiative. À chaque fois que il y a des autorités, il y a des responsables, il y a des organisations nationales ou internationales qui voulaient accompagner, encadrer la jeunesse, nous pensons que c'est fondamental parce que, comme nous connaissons, la jeunesse, c'est la force motrice en tant que pays. Et même jeunesse, ça, le plus souvent, il fait face à de sérieuses difficultés, des problèmes. Et à chaque fois que, par exemple, il y a des problèmes politiques, côté que les autorités au plus haut niveau pas capables d'entendre mieux, lorsque il y a des différents politiques, eh bien, le monde qui le plus souvent paye pour KCA, eh bien, c'est jeunes. Jeunes, ça y est, remercier instances concernées, ça y est, cap orienté dans le domaine entrepreneuriat. Projet ça, moi, recevoir avec une grande émotion, avec une grande joie, enthousiasme, tout ça. Parce que, et un projet comme ça, qui vise, sur nous, comme jeunes, dans le ghetto, et que nous sommes capables d'équilibrer avec nous-mêmes, nous encadrement comme ça, nous joindre. Ça va aller de nous-mêmes, nous créer un bagage de mes CV qui est pour nous-mêmes, pour nous sortir dans ça, nous, et je pendant la période de formation, plusieurs jurys ont gagné pour étudier différents plans d'affaires, jeunes, ça y est, à présenter
côté ministère commerce et industrie a gagné pour accompagner yo dans réalisation projet ça yo. Premier ministre nommé Jean-Henri Séan gain chance pour joindre vote favorable pour énoncer politique générale li dans chambre députée d'après député circonscription Baradea. Patrick Nozeus mandé premier ministre nommé à fixer position sous contrat l'état haïtien testien avec une série compagnie dans domaine énergie pour question courant électrique. Yon extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Moi personnellement, pas ni absolument aucun problème au vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Bon, M. Séan, c'est un homme, c'est la classe politique, hein, c'est un homme qui a une expérience de milieu. C'est quelqu'un qui a été choisi par le président de la République, qui nommé, qui présentait officiellement la nation. Et peut-être une chose intéressante que je dis, qui est très intéressante, c'est que il dit qu'il a conscience que c'est le président de la République qui t'a fait campagne, c'est lui-même qui a le mandat de la nation, qui a le mandat peuple-là, et que tout ça le fait comme premier ministre, ça fait en harmonie avec la vision du président, parce que lui-même, c'est pas lui-même peuple-là qui a voté, que c'est le président Jovenel qui peuple-là qui a voté. C'est pas intéressant, parce qu'on connaît le système politique que la constitution a établi. Il a demandé, il faut une harmonisation entre sa premier ministre à faire avec sa président à faire. Mais moi-même, seule préoccupation, en tant que président de la commission permanente mine et énergie à la Chambre des députés, préoccupation parmi, et c'est peut-être la seule condition que m'a posé par le Premier ministre Jean, et nommé Jean-Henri Séan, c'est que vote parmi, c'est sûr que gagne 80%, 70-80% de chance pour Mbaléville, mais non condition. Condition que les contrats et d'achat et d'énergie que EDH a passé avec compagnie que nous connaissons, Sogener, ETRAC et IPower, que contrat ça yo, que nous retenchons sur yo, que renégocier, que pour y a fixé. Claire en position, qui position là bien sur contrat ça yo. L'autre bord, élu Baradea, député Patrick Nozeus, exprimé des accords sur enquête Petro-Caribea. Ensemble, commission Sénat te mené. Parlementaire a dit qu'il ne comprend pas comment yon série moun tap enquêté sous dépense l'argent, alors que moun sa yo pas inspiré confiance. Député Baradea d'accord avec décision Sénat à prendre pour le voyer dossier devant Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Yon extrait dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Le premier dit, il a été son pays de comédien. Tout le monde sait dans quelles conditions que Daniel Cassim était un directeur général de la BMPA sous l'hiver. Tout le monde connaît que le type qui était dans la BMPA, c'est le véritable marionnette que le monde qui a dirigé la BMPA dans tout le monde, c'est Daniel Cassim. Scandale Mazou fait, mon bon bail fait dans la BMPA. 37 millions de gouttes de subventions de projet passé dans le sénateur. Et puis maintenant que c'est lui qui a la commission éthique et anticorruption, qui a fait la possibilité de travailler. Comme c'est pour tout le monde dans le pays, pour des comédiens, pour des imbéciles. Donc, c'est une commission d'éthique et d'anticorruption. Ils ont même, ils ont dû enquêter sur eux. Parce qu'ils ont tout gain bras dans le système corruption pays. Et par exemple, ils ont là dans le système corruption pays. Et dans la même question là, j'ai passé que sur le gain qui est là-dedans, tout le monde qui est dans la, tout le monde qui est dans la commission, ils ont dû enquêter sur eux. Donc, moi-même, je pense que c'est ça que nous avons rapport ça. Rapport ça a bien force côté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on moun dont l'implication t'es qu'à impliquer moun sa yo, yon simplement retiré. Et yon simplement retiré et que kounia yon ciblé rapport là sur des moun que yon voulait cibler. Donc pour moi-même, si Sénat t'es voté rapport ça joue ça, c'est un peu catastrophe. Pour double raison. Si yon te corroboré rapport sénateur yo, parce que le rapport de force côté, il t'a pas le monde de la justice ou pour son monde, parce que tout le monde sénateur retire le la pladol. Mais par contre, s'il te rejeté le rapport dans tout, il t'a pas bon. Parce que le ça, c'est sûr que il y a des gens effectivement qui lui répondent sur le que arrivé, qui n'ont pas bien eu l'occasion pour payer attendre ou pour la justice attendre. Donc des deux côtés, nous votons Sénat, qui c'est mon sens, le nom de il t'a bon. Donc c'est une bonne chose que le dossier allait dans la Cour des comptes, mais à seule condition que les membres de la Cour des comptes ne se comportent pas comme des hommes, comme des gens politiques.
c'est-à-dire des gens qui ont des forces politiques qui ont tiré ici ou bien l'autre bord, que les gens qui ont des comptes, ils ont agi comme membres d'une institution indépendante, c'est-à-dire des gens qui ont fait travail comme des gens indépendants, mais qui ont fait travail non pour en faveur l'un ou l'autre camp politique. Donc, si vous avez des comptes fait travail bien, et que, etc., je pense que là, on peut avoir le bon procès ou bien histoire plutôt qu'arrivé. Et un petit peu trop qu'arrivé, effectivement, mais il faut que la Cour sur les comptes fait travail bien, et ça demande. Tout le monde qui connaît le fait dialyse dans l'hôpital Université d'État d'Haïti, HUEH, a fait ça dans l'hôpital Fatma pour même quantité d'argent qu'on fait là. C'est garanti, directeur programme national dialyse Fatma, Dr. Jacques Jeudi Baye, vendredi 31 août là. Docteur Jacques Jeudi expliquait au Fatma Abkembe décision ça jusqu'à ce que dirigeant l'hôpital général yo réparer machine dialyse qui en panne yo. Le extrait dans micro John Herbie Casseus avec Michel Joseph. On considère l'hôpital général comme une institution sœur faisant partie de l'État haïtien et en tant qu'institution sœur. C'est une responsabilité nous pour nous venir en aide à l'hôpital général à chaque fois qu'on a un problème. Si nous avons une situation, ça tout la vie même gens. Ça nous offre. Malade, ça, avec l'hôpital général, c'est que nous ouvrons le programme dialyse, nous au Fatma pour eux. Ils ont venu à aide, à dialyser eux. Et nous avons pris mesure depuis jeudi, hein, c'est que la fonctionne 24 sur 24 pour nous travailler. Du service dialyse et deuxièmement ça qui est important le directeur général docteur Joseph Agabus a accepté descendre prix dialyse nous avons fait ici un coût de 6000 gouttes pour nous mettre à prix que maladio compte l'hôpital général là juste pour nous accommoder les et n'a qu'un prix ça et service ça mieux jusqu'à ce que l'hôpital général répare les machines et que yo recommence comme d'habitude par service que après depuis longtemps. Nous avons un service dialyse au CAI, nous avons un service dialyse au CAP qui desservit la population nord, au CAI qui desservit la population sud et Gordas. Gagnons suggestion que m'a vu faire. Puisque la question démographique est tellement due sur le service dialyse de Port-au-Prince, si on a une possibilité pour la locale, pour le rester pendant la crise, la profil dialyse, ok. Si il y a une possibilité pour la nord, la profil dialyse dans le nord, jusqu'à ce que l'hôpital général recommence le travail normal. Il y a un plan pour nous mettre prochaine dialyse dans le nord-ouest. Il est beaucoup officialisé, même qu'on est que le plat est là. Je pense que moi-même, parce que moi, il y a un paquet de corps de gars dans le nord-ouest. C'est un plaisir à faire pour leur dialyse dans le nord-ouest. C'est que même service nous baille au cap là, même service nous baille au cap là, nous baille dans le port de paix, dans le nord-ouest. Et probablement, c'est de ça, au fur et à mesure, nous gagnons un centre de dialyse qui est au Fatma. Capital de notre pays. Mes amis téléspectateurs, on a pris un dernier pause dans le journal là, on a tourné pour nous parler international. Et puis, Nicaragua mettait dehors mission Nations Unies sous droit monde dans le pays là, deux jours après publication d'un rapport ONU sur plusieurs manifestations contre le gouvernement. Dans un courrier qui sortit 30 août, le ministère nicaragouien Affaires étrangères fait qu'on a considéré raison, cause et condition qui était nécessité invitation mission onusienne pas réunie. Peut-être ça, li mette bout à clé. Je rappelle Titio, on va nous aller, président République là, Jovenel Moïse, inauguré vendredi 31 août là, il y a un centre de formation professionnelle moderne dans la localité Mamon, commune Inche. L'école professionnelle ça a une capacité pour recevoir 3000 étudiants.
Chef l'État Jovenel Moïse promet toute disposition à prendre au niveau l'État pour accompagner parents yo dans occasion rentrer l'école là. Li rappelé gain plus passé 2 350 000 livres qui subventionné dans cadre GFOC a fait yo. La police nationale d'Haïti fait 16 arrestations, 4 véhicules avec 16 kg cocaïne confisqués et puis 3 armes saisies pour mois d'août là. Individu la police arrêté au gain accusation viol, vol d'armes et puis trafic de drogue qui pesait sous dos yo. Dans l'occasion 5e conférence spéciale ministère communication dans cadre rentrée l'école là coordonnatrice générale programme national cantine scolaire Fanèse Laguerre annoncé toute disposition déjà prend pour chaque élève l'école joindre un plat chaud chaque jour pendant année académique 2018-2019 là. Office national assurance vieillesse ONA dans tête collée avec ministère affaires sociales et travail et puis ministère conditions femmes et droits femmes remettre vendredi 31 août la chèque à produits alimentaires by Timachon qui était victime du feu marché Hippolyte et marché du port. C'est pour ça qu'on t'a porté pour vous. Merci à vous-même qui t'a prêté nous attention pendant le téléjournal là. Merci à tout le monde qui t'a rendu le journal ça possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end en compagnie de Télévision Nationale d'Haïti. Chérie.